Bonjour à tous les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de la série La Mini Aventure que vous kiffez particulièrement. Épisode très 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 spécial aujourd'hui parce que déjà de 1 on est en live. Vous pouvez voir du coup qu'il y a un petit peu un décor différent des autres vidéos parce qu'on est simplement en live avec plus de 640 personnes je crois sur le stream. Donc merci à toutes et à tous d'être là. On peut voir du coup la chatbox juste là-bas avec tous les petits viewers qui nous font des petits coucou YouTube. Regardez, merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Et donc aussi en fait les potes, épisode très spécial parce que comme vous le voyez dans mes camps militaires, j'ai les béliers de combat. J'arrive en fait au moment où il reste 9 heures juste de béliers de combat et je vais en fait tester les béliers en HDB4 pour voir si c'est fort ou pas, parce que comme vous le savez en fait les béliers de combat ont des barbares que de niveau 1 et donc en fait c'est très très nul en fait à gros niveau. Donc on va voir si les béliers de combat sont utiles à bas niveau contre des HDV de 3, 4 ou 5. Donc voilà, on tombe direct en plus sur une base qui a un peu de ressources. Du coup on va voir ça, c'est parti, on va voir comment ça se passe tout simplement. On va attaquer de ce côté. Et donc on est parti, on va voir du coup c'est bien ou pas. Je balance, du coup j'ai 4 battle ram. On va voir du coup si ça le fait ou pas, si ça fait beaucoup de dégâts. Ça a pas l'air si ouf que ça, clairement. Ça a pas l'air si ouf que ça, dans tous les cas. J'ai des ballons dans le CDC. Donc ça, dans tous les cas, la bataille est gagnée, certes. Mais on va vraiment essayer de se concentrer sur les battle rams. Je pense qu'on va faire une seconde attaque avec plus de béliers de combat. Est-ce que vous êtes chaud, les potes, pour qu'on fasse un full bélier de combat pour la prochaine partie? Ça peut être assez drôle. On va voir, et encore, quoique en fait l'attaque est pas si mal que ça, regardez. Parce que j'ai l'impression que les billets de combat ont fait un petit peu de dégâts au début, donc c'est pas mal. Si on peut péter ce mortier, ça peut être bien. Je pense qu'il y a moyen de clean la base sans utiliser les ballons. On va voir ça, on va voir ça. Ouais, franchement, c'est pas si mal que ça, hein. Je pensais que l'attaque serait plus nulle. Je pensais que l'attaque serait plus nulle que ça. Franchement, ça se passe plutôt bien. Regardez, on a un petit géant ici qui tank pendant que les archers pètent les canons. Si les archers arrivent à péter les canons, on est bon, on va pouvoir clean la base. Parce que tout simplement, il n'y aura plus de défense. Du coup, on est très très bien. Regardez, il reste un petit peu de vie sur ce canon. Faudra arriver à le détruire assez rapidement. Ça serait cool. Parfait, il y a le géant qui y va. Donc là, en plus, on a quelques barbares et quelques archers ici qui terminent de cleaner la base. Donc c'est pas mal du tout. Ça, les potes, en combat direct avec un perf avec ses billets de combat. Ils sont pas mal du tout en fait. Ils sont pas mal du tout. Franchement, ça a l'air pas trop mal à ce niveau-là. J'ai vraiment envie d'essayer par contre un full bélier de combat. On va voir du coup si ça le fait ou pas. Est-ce que vous pensez que ça va le faire? N'hésitez pas à me dire sur le chat. Et pour la rediff YouTube, n'hésitez pas à me le dire tout simplement dans les commentaires. Mettez pause à la vidéo et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que, le full bélier de combat va être fort à ce niveau-là. On va voir ça. Hop, déjà le petit perfect qui tombe. Et ça, ça fait hyper plaisir. Ok, du coup, on va enchaîner direct. On va faire du coup notre full bélier de combat. Moi, je suis déter, j'ai envie de faire mon full bélier de combat. Donc, ok, c'est parti. Je vais kick toutes mes troupes. Tac, 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 tac. Et on va faire du coup 20 béliers de combat parce que j'ai que 80 places, du coup je peux pas en faire plus, donc ça c'est cool. Ok, 12, même je peux en faire que 15, 16, ok, ouais, 16, oui, vu que ça prend 5 places, pardon, excusez-moi. Ok, du coup maintenant on va faire, du coup on va former les troupes pour la troisième attaque. La troisième, on va pas faire de full bélier de combat quand même, on va un petit peu se calmer. On va faire une petite compo comme ça qui est pas trop mal. Tac, voilà, ça peut être assez sympa. On enchaîne du coup, on recherche les parties, on va voir du coup. 16 béliers de combat, ça peut être drôle, franchement ça peut être très drôle. Cette base est un petit peu trop forte je pense, on va essayer de se calmer un peu. Ça, ça me semble pas trop trop mal, j'ai l'impression. Ouais, je pense qu'il y a moyen d'attaquer ça. Du coup en full bélier de combat, c'est parti. On envoie tous nos béliers, ta 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 ta. Regardez, j'en garde 5 dans ma main. Ça a l'air pas trop mal en fait. Ça a l'air pas trop mal parce que ça fait quand même pas mal de dégâts quand il pète. Regardez, boum, le bélier de combat ici qui a pété sur cette réserve d'or ici, ça fait pas mal de dégâts. Du coup maintenant en fait on est sur du full barbare. On va voir du coup comment ça se passe. Est-ce que les barbares vont arriver à s'en sortir? Dans tous les cas, encore une fois, au pire des cas, j'ai mes petits ballons ici de Groody. Merci beaucoup à toi Groody pour les petits ballons. Dans tous les cas, je pense que regardez, vu la masse de barbares qu'on a ici, ça va le faire. Je pense que vu la masse de barbares qu'on a là, ça va le faire tranquillement. On va pouvoir arriver à clean. Ils sont pas si dégueux que ça. Franchement, ils sont pas si dégueux que ça, les béliers de combat. À ce niveau-là, je dis bien à ce niveau-là, parce que clairement, on a fait des tests en HDV10. Et ça se passait pas très bien. Vous avez pu voir du coup la vidéo aussi. Normalement, vous l'aurez sur le petit i là-haut. Vous avez pu voir ma vidéo test des billets de combat. C'était pas ouf. C'était vraiment pas la folie. Alors que là, en HDV4, franchement, ça a pas l'air dégueu. Je serais limite chaud pour vous faire une troisième attaque du coup avec ces béliers de combat, avec la composition qu'on a créée, et pourquoi pas une quatrième attaque même en full, bélier de combat. Comme ça on aura enchaîné 4 attaques, c'est pas mal du tout. On va voir ça, ok. J'ai fait que 50% malheureusement. Si je veux, je pourrais clairement perfect avec les ballons, mais c'est pas mon objectif. Je voulais juste essayer de gagner pour pouvoir m'avancer sur le...
sur le, simplement sur le défi. Donc en fait cette attaque là était pas très ouf parce que j'ai fait que 50%. On va essayer quand même de faire un petit peu mieux pour la prochaine. Du coup on enchaîne directement les potes, je vais direct reformer les troupes. Vous avez vu, c'est une vidéo où il n'y a pas beaucoup de montage, carrément je vais vraiment essayer d'enchaîner, enchaîner les games tout simplement. Parce qu'en plus à ce niveau là on trouve très facilement des persos à attaquer, etc. Est-ce que cette base est bien? Moi j'ai perdu CDC ici, donc on va se calmer un petit peu. Au pire des cas les potes, j'ai envie de vous dire que finalement on va se faire une petite ellipse pour pas que la vidéo soit trop ennuyante. Et pas du tout, regardez, on tombe direct. Ouais non, c'est un monocanon, c'est un monocanon, on va se calmer. On va quand même pas attaquer des monocanons. Finalement, pourquoi pas. On va attaquer cette base là, je pense qu'en fait on va pas se faire d'ellipse. On va y aller direct, j'espère qu'il n'y a pas de château. Il n'y a pas de château, c'est pas mal. On va mettre du coup 4 petits giants ici. On envoie direct les béliers de combat. Et on envoie juste derrière les petits barbares. Et après les petits archers. Hop. Là faudrait vraiment arriver à péter très vite ce mortier qui me fait très mal. Mais ça va. Le mortier qui va tomber, on est pas mal, regardez. Parce qu'il y a déjà une TDA qui est tombée. Il y a le canon qui va également tomber. Et donc regardez, ça va encore une fois clean. Oh là là, les béliers de combat, c'est la folie les potes. Un petit HDV, c'est énorme. Ok, putain, je pensais vraiment pas que c'était si fort que ça, un petit HDV, ça se passe très bien pour le moment. On a fait 3 games et 3 victoires, franchement, c'est assez ouf. Ça fait plaisir. Du coup, les potes, on va se faire du coup la quatrième game, quatrième et dernière game en full bélier de combat. Waouh. On va voir du coup si ça se passe bien ou pas, on va voir ça. J'ai encore mes ballons dans le CDC que je me suis toujours pas servi. Je pense que là, pour ceux qui sont sur le live, on va carrément faire tout le défi bélier de combat. Parce que ça peut être assez cool. Ok, regardez toutes les troupes qui me restent en plus, c'est assez énorme quoi. C'est vraiment ouf. Regardez le nombre de troupes qui restent. Il reste énormément de barbares, d'archers, de géants, etc. C'est assez énorme. Ok, donc on est à 97%. Regardez le nombre de troupes qui restent, quoi. C'est assez ouf. Du coup, voilà, il manque plus que cette petite caserne qui est sans ouvriers, je vous le rappelle, parce qu'avec l'événement Clash Hiverstar, du coup, il n'y a plus les ouvriers dans les cabanes. Il y a des petits barbares. Ok, du coup, c'est parti. Merci beaucoup à tous ceux qui spamment sur le chat. Ça spam GG62K, en fait, parce que durant ce live, on a dépassé les 62 000 abonnés. Donc, merci à tous ceux qui sont sur le live. Ça fait plaisir. Ça me semble pas mal parce que le mortier est excentré, donc je devrais facilement arriver à le détruire. Alors attendez, juste j'ai envie de poser un billet de combat pour voir si les dégâts sont gros ou pas à ce niveau là. C'est parti. Hop, oh bah, ok, il s'est pris une trappe. Regardez quand même juste le coup du billet de combat. En gros, ouais, ça trichote un mortier. Ok, du coup, c'est parti. On va envoyer tous les béliers en bas comme cela. Oh non, CDC, vite. Oh, regardez les billets de combat. Oh, c'est trop fort contre les géants. Vous avez vu, j'ai mis 2 ou 3 billets de combat, juste, enfin 2 billets de combat et ça a tué le géant. Ça c'est cool, ça c'est très cool. Hop. Ok. Vous savez quoi les potes, on va carrément balancer les ballons. Voilà, pour la dernière partie des potes, on se permet de balancer les ballons. Comme ça c'est fun, comme ça ça perf et comme ça c'est cool. En tout cas, franchement, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement, ça fait plaisir. Les billets de combat qui en fait sont vraiment pas mal du tout à ce niveau là. Moi je me disais, ouais, les billets de combat c'est vraiment nul, etc. Mais à petit niveau, c'est vrai que ça, franchement ça gère. Franchement ça gère, ok. Donc là du coup, le petit perf, merci beaucoup à Groudy pour les ballons, ça fait plaisir. Et du coup les potes, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ce petit épisode un petit peu hors série de la mini aventure, parce que là vraiment on a testé à fond du coup les béliers de combat à ce niveau là. En tout cas j'espère du coup que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas encore fait pour suivre simplement l'avancée du compte et la suite de cette série. Merci à tous en tout cas, moi je vous fais de très gros bisous et ciao ciao les amis, à plus.